said, praise the Lord. Put those hands up right now, as high as they can be. Father, in the name of Jesus, we're praying, oh Lord, that every hindrance you take out of the way, every disturbance take out of the way, every failure take out of the way, every frustration take out of the way. And today, Lord, I pray the fire, the zeal, the ability to achieve, you put into everyone in Jesus' name. I pray that all the young people here today and all the youth leaders here today, we will never be the same again in Jesus' name. Something is boiling within us already, stirring within us already. And we know we're getting out of this place and we're going out to achieve in Jesus' name. Confirm your blessing upon every life. Thank you, because we know you have answered. In Jesus' name we pray. And everybody said, thank you very much. We can sit down. I have three words for you. Number one, I can. Number two, I will. Number three, I must. Number one, I can. We're looking at Philippians chapter 4, and it's in verse 13. It says, I can do how many things? All things through Christ, which strengtheneth me. If I can, then I will. If there is nothing stopping me, and that if there is nothing that is standing in my way that I cannot remove, if I can, then I will. And if I say I will, today is the day to start. I must. I said I must. When you get out of this place, you are going to do something. Because the power has come inside you. And we're going to turn frustration to fascination. Frustration before today, after this day, fascination. Après ce jour, c'est la fascination. Que tout le monde dise la fascination. J'ai étudié la parole de Dieu et j'ai considéré certaines personnes. Parfois, je me demande, est-ce que nous sommes la seule génération qui a des problèmes? Les problèmes que nous avons, est-ce que nous sommes capables de vaincre ces problèmes et tourner, changer nos contretemps en des pieds de tremplin pour atteindre le succès, pour atteindre le sommet? Premièrement, c'est le contretemps. Et deuxièmement, c'est la pierre du tremplin. Et ensuite, c'est le succès. Et pour finir, c'est le sommet. Alors, si vous passez par les contretemps et vous utilisez les contretemps comme la pierre du tremplin, vous allez réussir. Je dis, vous allez réussir. Et j'ai abordé certaines personnes intéressantes comme Joseph. Deuxièmement, Josué. Numéro 3, il y a Jephthé. Numéro 4, il y a Jabès. Et ensuite, numéro 5, il y a Job. Numéro 6, Jérémie. Et numéro 7, il y a Jonas. Lorsque je considère tous ces personnages, je mets leur histoire ensemble et je parle de l'homme qui a un rêve. Et maintenant, j'aborde l'homme qui avait une vision. Maintenant, j'aborde l'homme qui avait un but. Je viens à un homme qui avait une destinée, une destination. Lorsque je mets tous ces personnages ensemble, je passe de Joseph à Jephthé, de Josué à Jabès et ensuite à Job, Jérémie et Jonas. Et je dis au passage, les problèmes sont communs à tout le monde. Parce que tous ces personnages dont nous avons parlé ont des pierres d'achoppement. Et ils ont utilisé leurs pierres d'achoppement comme des pierres de tremplin. Et ils n'ont rien à permis de les empêcher. Vous n'allez rien permettre de vous empêcher. À partir de ce jour, vous allez faire toutes choses. À partir de ce jour, aujourd'hui, vous allez faire tout. Et à partir de ce jour, vous devez faire toutes choses au nom de Jésus. Comme j'ai commencé par ce jeune homme, son nom c'est Joseph,
Qu'est-ce que vous pensez que Joseph avait? Qu'avait Joseph? Dites-moi non. Joseph avait un rêve. Il avait un rêve. C'est merveilleux d'avoir un rêve. Le rêve, c'est ce que Dieu imprime dans votre cœur. Et lorsque Dieu imprime cela dans votre cœur, et vous dit, je vous amène quelque part, je veux que vous alliez quelque part, je veux que vous deveniez quelqu'un, cette chose-là. Mais ne soyez pas surpris lorsque les gens attaquent ce rêve et ils combattent ce rêve. Et ils semblent vous rejeter, rejeter ce rêve. Et je le dis, je dis, Dieu a révélé le rêve. Les hommes ont rejeté le rêve, mais lui, il a reçu le rêve. N'est-ce pas là quelque chose que vous devez faire lorsque Dieu le révèle et que les hommes le rejettent? Si vous savez que vous voulez, et si vous savez que vous pouvez, et que vous savez que vous devez, vous allez le recevoir au nom de Jésus. Je le mets sous une autre forme et je dis, Dieu a apporté le rêve et les hommes ont combattu le rêve, mais Joseph a obtenu le rêve. Je vais le réaliser. Je dis, je vais réaliser le rêve. Dieu a annoncé le rêve. Et les hommes ont attaqué le rêve. Mais lui, il a réalisé. Il a accompli le rêve. Je suis un homme d'accomplissement. Je suis un réalisateur. J'ai tenté, essayer de faire la différence entre un réalisateur et un non-réalisateur. Ils ont tous la même tête, une seule tête. Les deux ont deux yeux. Et le réalisateur et le non-réalisateur. Ils ont tous les deux oreilles, les deux yeux. Et ils ont toutes les parties du corps. Et ce réalisateur, ce non-réalisateur, ils ont tous les deux pieds. Le réalisateur et le non-réalisateur, ils ont tous les deux mains. Je me pose la question. Quelle est la différence entre le réalisateur et le non-réalisateur? Et j'ai découvert quelque chose. Le non-réalisateur, ceux qui ne réalisent pas pensent à ce qu'ils n'ont pas et ils ne font pas usage de ce qu'ils ont. Le non-réalisateur dit seulement, je n'ai pas ceci, pas à cause de ceci, à cause de ceci, je ne peux plus avoir ceci. Le non-réalisateur dit, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de motivation. Parce que il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de motivation. Ils ne peuvent se pousser à se lever. Ça, c'est le non-réalisateur. Le non-réalisateur dit, non, il n'y a pas, comme il n'y a pas de réussite, pas de progrès. Parce que il ne veut plus tenter leur examen. Il ne peut pas sécuriser. Et ils disent, j'ai essayé pendant des années. Parce qu'il n'y a pas de réussite. Alors, il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas d'avancement. C'est le non-réalisateur. Le non-réalisateur, qu'est-ce qu'il dit? Le non-réalisateur, il dit, tout le monde m'invite. Tout le monde m'évite. Il n'y a pas d'amis. Tout le monde me rejette. Il n'y a pas d'amis, pas de futur. Parce qu'il n'y a pas d'amis, parce qu'il n'y a personne pour me supporter. Alors, il n'y a pas de futur. Je dis ça, c'est le langage du non-réalisateur. Le non-réalisateur dit, j'ai perdu mes parents. Ceci m'arrive. Et les parents sont tous morts depuis 10 ans maintenant. Et au-dessus, et le jeune homme continue de pleurer depuis 10 ans. Il dit, il n'y a pas de parents, pas de progrès. Mais vous savez pourquoi? Vous savez quoi? La même chose qui est arrivée à Joseph, à Josué. La même chose est arrivée à Jephthé. La même chose est arrivée à Job. La même chose est arrivée à Jérémie. Et la même chose est arrivée aussi à Jean-Baptiste. Cela arrive à tout le monde. Mais le réalisateur dit, il n'y a personne, mais je vais changer cela en une manifestation noble dans ma vie. Personne pour me supporter. Ne vous en faites pas. Je vais aller au-delà de tout ce qui est là pour avoir la manifestation. Je dis, la manifestation vient. Je dis toujours ceci. Si vous l'espérez, cela viendra. Si vous l'espérez, cela viendra. Combien de personnes espèrent? Cela viendra au nom de Jésus. Des gens, ceux qui ont l'opportunité de me voir, ils me posaient toujours ils m'amènent, me bombardent de témoignages. Ils veulent attirer mon attention pour dire, je vous ai vu à telle époque.
et vous m'avez vraiment levé la main et je vous avez souri. Et maintenant j'ai dit tout va bien maintenant et je dis gloire à Dieu. Lorsque cette personne finit son témoignage, l'autre personne vient à moi pour dire monsieur, est-ce que vous me connaissez? Je dis je ne veux pas vous dire, je ne vous connais pas, mais quel est ton nom? Il dit, mettez de côté, tu as prié pour moi une autre fois. Regarde ce qui m'est arrivé. Et maintenant, il me donne son témoignage. Je dis, gloire à Dieu. Quand je finis avec cette personne, une personne vient pour dire, tu sais, je t'ai vu une seule minute. Lorsque tu es venu, voici ce qui m'est arrivé. Et j'étais chargé de témoignage. Et je dis, maintenant, je viens. Je vais vous charger de ce témoignage-là. Je vais décharger tous les témoignages que j'ai eu, je les transmets à vous maintenant, reçois-le au nom de Jésus. Mais, tu sais, les réalisateurs, vous savez ce qu'ils font de leurs problèmes? Les réalisateurs, ils disent, oui, c'est vrai, il n'y a pas d'argent, mais j'ai une nouvelle motivation. Je vais faire quelque chose avec ma vie. Les réalisateurs, ils disent, il n'y a pas de succès, mais il y aura une nouvelle alternative. Je vais trouver la voie là où il n'y a pas de voie. Je vais trouver la voie au nom de Jésus. Ensuite, il n'y a pas de parents, il y aura de nouvelles possibilités. Il n'y a pas d'amis, il y aura une manifestation, un futur noble. Nous parvenons là-bas. Je dis, nous allons là-bas. Voyez dans Philippiens chapitre 4, verset 13. Philippiens 4. Je puis, que tout le monde dise, je puis tout faire. Dites-le à haute voix, je puis tout à travers Christ qui me fortifie. Pourquoi les gens ne font pas cela? Trois points. Numéro 1. Les modèles passés. Des comptants, les modèles passés, des comptants ou d'échecs. Les gens se basent sur le passé. Ils disent, cela, c'était comme ça dans la vie, c'est comme c'était passé. Je ne pense pas que quelque chose va changer. Il y a les modèles, le modèle passé, des comptants. Il y a la programmation passée pour le succès. Vous savez, c'est comme l'ordinateur. C'est ce que vous mettez dans l'ordinateur, dans le processeur que vous obtenez. Si vous voulez avoir, alors il y a la programmation pratique pour le succès. Troisièmement, il y a le progrès positif vers le sommet. Je dis, nous allons atteindre là-bas. Quel est le point numéro 1? Quel est le point numéro 1? Le modèle passé des contretemps. Je ne veux pas passer assez de temps parce que je n'ai même pas passé mon temps sur le passé. Je vais vite aller, je vais juste vous faire référence du passé. Je sais ce que vous traversez, j'ai pris par là, je connais les défis auxquels vous êtes confrontés. Et j'ai aussi affronté ce défi. Je connais les difficultés que vous traversez parce que je les ai eues. Mais le point est que nous transformons nos pieds d'achoppement en des pieds de tremplin. Numéro 1, le modèle passé. Qu'est-ce qui revient encore et encore? Il y a les difficultés qui viennent encore et encore. Je suis sûr que vous avez rencontré cela. Lorsque vous rencontrez cela, vous dites, ah, est-ce que je peux progresser? Je dis, vous allez progresser et vous allez oublier les difficultés. Numéro 3, c'est la déception. Vous avez vu, quelqu'un vous a-t-il promis pour dire, je vais payer vos frais de scolarité, je vais vous trouver un emploi, je vais vous donner ceci. Et tout d'un coup, voici, il y a la déception. Numéro 3, il y a la maladie, et cette maladie, elle vous rend mal à l'aise, elle vous rend malheureux, elle fait de vous, à vous, quelqu'un qui se pose la question, qu'est-ce que je peux faire maintenant, vois ma condition, mais les maladies ne peuvent pas t'arrêter, je dis, elles ne vont pas t'arrêter. Numéro 4, la discrimination, vous savez, vous êtes venu ici, et vous dites, qu'est-ce qui m'a amené? Vous venez dans un endroit, on dit, qui t'a amené? Quel est le nom de ton père? De quel état es-tu même? Pourquoi tu es-tu? Partout tu vois, tu vas, c'est comme il y a la discrimination. Ça fait partie des défis que nous avons. Et c'est le modèle passé. Vous allez définir votre vie par menant des choses nouvelles. Et vous allez changer les choses au nom de Jésus. Numéro 5, il y a le retard. Le retard. Parfois, nous sommes empressés d'avoir le succès. Et vous dites, je vais maintenant. Et la chose ne vient pas.
Et que, quand on ne vient pas pendant une semaine, un mois, c'est comme si vous retirez votre pensée. Je vais vous rappeler de Joseph. Joseph, le rêve de Joseph ne s'est pas accompli dans une année, dans la troisième année, mais il s'est accroché à son rêve. Vous allez vous accrocher à votre rêve et personne ne va vous arracher ce rêve au nom de Jésus. Numéro 6, il y a la désapprobation. Désapprobation, vous n'êtes pas approuvé, vous êtes le plus jeune de la famille. Pourquoi tu es jeune et tu sembles rayer sur tout le monde? C'est quel genre de rêve ça? Ce jeune homme, il est orgueux, il est arrogant. Cette jeune fille, elle est arrogante. C'est comme ça, ce n'est pas du rêve, ce n'est pas de l'orgueil, c'est le rêve. J'ai un rêve, Dieu merci, j'ai un rêve. Et ce rêve va s'accomplir au nom de Jésus. Tel père, tel fils, vous êtes mes enfants, le rêve de votre vie, le but de votre vie, le futur de votre vie, la destinée de votre vie sera accompli au nom de Jésus. Numéro 7, avant de vous dire numéro 7, j'ai lu à propos d'une conférence, j'allais dire, que Satan a eu avec sept démons. Et il a dit, et ils ont dit, si on devait prendre tous les instruments qu'on utilise, supposons que nous enlevions tout sur la terre, Quel instrument que tu peux laisser? Le diable dit, si j'allais arracher tous les instruments et toutes les armes que j'utilise contre l'humanité, si je vais tout prendre et leur laisser une seule chose, je vais laisser le découragement. Parce que lorsqu'ils sont découragés, ils ne peuvent plus penser. Lorsqu'ils sont découragés, ils ferment les yeux. Lorsqu'ils sont découragés, ils pleurent. Lorsqu'ils sont découragés, ils se détournent. Ils vont se détruire eux-mêmes. Et ils vont jeter leurs rêves dans l'océan. Alors, je vais laisser le découragement sur la terre. Et je vais laisser le découragement dans ta vie. Alors, le seul découragement dans ta vie, c'est l'espoir du diable. Je dis, je ne suis plus découragé encore. Je dis, je ne suis plus encore découragé. Si Joseph a réussi, je vais réussir. Je dis, si Joseph a réussi, je vais réussir. Et si Jabez a réussi, je vais réussir. Est-ce que si Jephthé a pu triompher, je vais aussi traverser? Alors, si Jérémie qui a dit, je suis juste un enfant, si Jérémie a pu percer, je vais percer au nom de Jésus. Ensuite, pensée de Job. Qu'est-ce qui t'est arrivé et tu pleures même? Et si tes larmes, regarde la vie de Job, regarde ce qui lui est arrivé. Mais de la profondeur de l'abattement, il est sorti. Tu sortiras, tu t'en sortiras. Et si nous jetons le découragement, toutes choses de loin, et cela est parti loin de nous au nom de Jésus. Le modèle passé des contretemps ou des échecs. Numéro 2, la programmation pratique pour le succès. Je vous ai dit, parler de l'ordinateur. Vous savez, il dit, vous faites entrer et sortir. L'entrée et sortir. C'est-à-dire que ce que vous faites entrer, c'est ce qui sort. C'est ce que vous... Qu'est-ce que vous dites vous-même? Qu'est-ce que vous dites à vous-même? Qu'est-ce que votre voix silencieuse vous dit? Quelle est la voix? Qu'est-ce que la voix interne vous dit? Qu'est-ce que vous dites vous-même? Qu'est-ce que vous dites vous-même? Vous dites peut-être, je suis pas un génie. Je veux. Et je dis, je dois. Mais c'est ce que vous devez sentir en vous-même. Dieu est de mon côté. Et parce que Dieu est de mon côté, je vais être un réalisateur. Qu'est-ce qui vient en vous? Ce qui vient en vous, c'est ce qui sort. Je vais réussir. Je vous pose la question maintenant. Qu'est-ce que je peux dire maintenant? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je peux avoir dans cette conférence? Qu'est-ce qui me donne de la confiance? Numéro 1, j'ai Dieu, le créateur du ciel et de la terre. J'ai Dieu. C'est assez pour moi. J'ai Dieu. Et il m'a créé. Et il m'a racheté. Il m'a sauvé. Et il m'a amené dans le royaume. Et il m'a amené dans sa famille. Et je peux me lever ce matin pour dire, mon Père qui est dans les cieux. Et parce qu'il est mon Père, il va faire que je vais réussir. Il va te faire réussir. Numéro 2, j'ai un but, un objectif. J'ai Dieu. Tu iras là-bas vers ce but. Numéro 1, nous avons qui? Numéro 2, nous avons quoi? Et numéro 3, nous avons quoi? Nous avons un guide. Numéro 4, nous avons un don. Nous avons un don. Il n'y a personne sur la terre que Dieu a créé sans
sans vraiment un don. Une personne dépouille, tu as ton don, j'ai mon don, et ce sont les dons que tu as qui feront la voix, qui vont frayer la voix pour toi. Tu as un talent, tu as la capacité, tu as le potentiel, et à cause des dons que tu as, quand tu mets tout ensemble, tu as Dieu, tu as un but, tu as un guide, et tu as des dons merveilleux, merveilleux, merveilleux. Tu peux pas jouer. Je dis, tu ne peux pas jouer. Ensuite, tu dois écouter le point suivant. Avant de penser que vous comprenez, numéro 5, vous avez la grâce. Vous avez la grâce, la grâce. Je sais de quoi vous pensez, mais vous pensez que de la grâce, pas la grâce, vous êtes sauvé, pas au moins de la foi. Ça, c'est le don de Dieu. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous savez, la manière dont je comprends la grâce, lorsqu'il s'agit de la réalisation et du réalisateur, vous savez, lorsque vous avez un but et vous avez un guide, vous avez quelque chose qui vous motive au fond de vous et vous l'atteignez la destination, il y a des ennemis qui vont se lever comme des Tobija et des Sambala. Et ils vont dire, tu ne pourras pas le réaliser. Ils vont se tirer-toi debout. Ils secouent tes épaules. Ne regarde pas en bas. Regarde, ne fais pas comme tu es timide. Ne sois pas comme tu as peur de s'emballer de Tobias. Dis-leur, aïe, les yeux dans les yeux. Ce n'est pas ce que vous dites. C'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas vous, les amis. Vous n'êtes pas le verdict final sur ma vie. Alors, depuis le ciel, où est le siège? Je dis depuis le ciel, où est le ciel? Où est le siège? Comment on appelle ce siège? Le siège, c'est le ciel. Et depuis le siège, le mot final a été prononcé. Et ce mot, cette parole finale a dit, je suis un homme accompli. Ce mot final dit, je vais réussir. Je vais atteindre la destination. Et parce qu'il a le dernier mot, Satan n'a pas le mot final de ma vie. Qu'en est-il de toi? Je dis, qu'en est-il? Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Les ennemis n'ont pas le mot final dans ta vie. Le mot est venu depuis le siège. Avant que tu ne sois né, je te connaissais. Je te connaissais pour t'établir, pour être ceci ou cela. Ce sera accompli au nom de Jésus. Qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce que la grâce? Le G, R, A, C et E. Est-ce que je peux l'interpréter pour vous? Dites, répondez-moi, non? Dieu, les ressources de Dieu contre les ennemis cruels. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce, les ressources de Dieu contre les ennemis cruels. Ils seront tous défaits. Dans sa vie, dans ton époque, tous tes ennemis vont tomber à terre. Et tu vas marcher sur eux et tu iras atteindre ton objectif. Et dit, il met devant moi une table en présence de mes ennemis. Il ouvre ma tête et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce me feront quoi? Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Il me cherche. Il me cherche. Le bonheur et la grâce me cherche. Il me cherche. Le bonheur et la grâce m'accompagnent pour combien de temps? Pour un mois. Pour une année. Juste pendant que je suis jeune, adolescent, pour tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. Regardez, où est-ce que je vais passer l'éternité? Et je demeurerai dans la maison de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel, tous les jours. Vous l'avez déjà, partout, pour toujours. C'est merveilleux, les ressources de Dieu contre les ennemis cruels. Numéro 6. La piété. Dieu merci, nous l'avons obtenu à travers Christ. Dieu merci, nous l'avons obtenu à travers Christ. Numéro 7 maintenant. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce mot. Nous l'appelons, c'est G-R. Nous l'appelons, ça veut dire que vous vous accrochez. C'est comme une attache. Vous dites comme Jacob dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu m'es béni. Et vous allez l'obtenir au nom de Jésus-Christ. Nous l'appelons la ténacité, la détermination. Vous ne dites pas, vous dites, mais voici mon privilège, voici mon territoire, voici mon héritage, voici ce que Dieu m'a donné. Personne ne peut me l'arracher au nom de Jésus. Pourquoi ne pas mettre tout cela dans votre
programmation pratique pour dire Dieu est de mon côté, j'ai un but, j'ai un endroit où je vais, j'ai un guide et je ne veux pas laisser quelqu'un me désorienter. Je vais atteindre là-bas, là où Dieu veut que j'atteigne. Et maintenant j'ai, pas seulement cela, j'ai aussi un don, j'ai un talent, j'ai ce qu'il faut pour réaliser mon rêve. J'ai la grâce de Dieu et je vais voir Dieu. Et il a les grâces, les ressources pour contre mes ennemis. Les ennemis, numéro 3 maintenant, point numéro 3, le progrès positif vers le sommet. Le progrès positif vers le sommet. Vous savez, comme vous avancez et comme Dieu vous donne un rêve, vous allez prendre un pas, vous allez faire un pas à la fois, avant de savoir quoi, vous êtes déjà là-bas. Dites, je suis déjà arrivé. Dites, je suis déjà arrivé. Le Seigneur te donnera tout ce qu'il faut et pourvoira tout. Et tu vas atteindre la destination au nom de Jésus-Christ. Comment allons-nous atteindre là-bas? Je vais revenir à Joseph. Joseph avait un rêve. J'ai un rêve aussi. J'ai un rêve. Est-ce que quelqu'un a un rêve là-bas? Quelqu'un rêve-t-il? Quelqu'un a-t-il une vision là-bas? Quelqu'un a-t-il un objectif là-bas? Une destination? Quelque chose que tu vas réaliser dans la vie? Est-ce que tu as quelque chose? Je dis tu as un rêve. Numéro 1, il y a... Reçois le rêve. Numéro 1, reçois le rêve. Ne marche pas dans la vie comme un vide, comme un poltron. Il dit, reçois. Joseph, il dit, j'ai un rêve. Tu as un rêve, je serai un docteur. J'ai un rêve, je serai un prédicateur. J'ai un rêve, je serai un missionnaire. J'ai un rêve, je serai ceci. Tu le seras au nom de Jésus. Recevoir le rêve. Numéro 2, Rappelez le rêve, enregistrez le rêve, écris-le, et lis-le encore et encore. Rappelle-toi chaque jour, voici là où je veux aller. Et pour que tu n'oublies pas, vous savez, Joseph n'a jamais oublié son rêve. Ils l'ont persécuté, il dit, je sais ce que vous cherchez, vous voulez arracher mon rêve, je ne veux pas vous laisser arracher. Ils l'ont vendu en esclavage, il dit, je sais ce que vous cherchez, mon rêve, je ne veux pas le laisser tomber, ne laissez pas tomber votre rêve. Numéro 1, c'est recevoir le rêve, numéro 2, c'est enregistrer le rêve, numéro 3, c'est réviser le rêve, révise ton rêve, analyse-le, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il me faut, qu'est-ce que je dois faire pour être capable d'atteindre là où je dois aller, quel rêve, quel livre je dois lire, quel cours je dois prendre, quel mentor je dois avoir, quelle institution je dois entrer, ou tu te poses la question, si je dois réaliser ce rêve, je dois le recevoir, je dois l'enregistrer, et maintenant je le révise. Numéro 4, résister les tueurs de rêves, résister aux destructeurs de rêves, les destructeurs, il y a des gens qui viendront pour dire toi aussi, tu exagères de ce rêve, tu exagères, tu fais trop de ce rêve, tu exagères de ce rêve, de cette aspiration, tu dis, garde tes mots, garde tes paroles à toi, pour toi-même, résiste ces destructeurs de rêves. Et ensuite, quel numéro maintenant? Je dis quel numéro? Combien d'entre vous? Je connais la réponse. Je vous pose seulement la question. Je ne sais pas que je connais. Je vais vous poser. Combien de vous utilisent le téléphone? Je vous ai dit que je connais la réponse. Combien d'entre vous utilisent le téléphone? Levez la main. Alors, lorsque la batterie se décharge, qu'est-ce que vous faites? Lorsque la batterie se décharge, répondez-moi. Numéro 4, numéro 5 maintenant, je vous ai arrêté. Rechargez, vous dites, vous rechargez. Rechargez l'homme du rêve. Rechargez le rêveur. Parfois, votre batterie est déchargée. Il n'y a pas de sourire, il n'y a pas d'excitation, il n'y a pas de motivation. Votre batterie est déchargée, complètement déchargée. Et je dis, attends, ne tue pas ce téléphone parce que la batterie est déchargée. Il faut brancher cette batterie et recharger le réveau. Repartez à la part de Dieu. Lisez les promesses du Seigneur et rechargez les messages que je te donne aujourd'hui. Repartez dans ces messages et rechargez le rêveur. Et tout cet un chant qui vous inspire, un témoin qui vous inspire, un mentor qui vous inspire, tout message qui vous inspire, et chaque chose qui vous inspire, et vous allez ainsi
ça ne fera pas une heure. Vous allez vous recharger et vous sortez encore renouvelé, rafraîchi. Vous prenez le téléphone, pam, 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 pam. Et ainsi, tous les chiffres apparaissent. Vous dites, qui est là-bas? C'est le rêveur. Je dis, c'est le rêveur. Vous êtes rechargé à nouveau et vous allez vers le succès au nom de Jésus. Numéro 6. Relâchez les ressources pour le rêve. Relâchez les ressources pour le rêve. Ne soyez pas égoïste. Ne soyez pas avare. Relâchez, libérez les ressources pour le rêve. Donnez du temps à votre rêve. Parce que pour accomplir le rêve, il faut du temps. Il faut des efforts, il faut de l'énergie, il faut la lecture, il faut remplir ce formulaire, il faut signer ce papier, préparer pour tel examen, faire ceci, faites ceci. Alors, relâchez toutes les ressources qu'il faut pour votre rêve. Maintenant, numéro 7, c'est de se réjouir et de régner avec la destinée. Se réjouir et régner avec votre destinée. Si vous êtes rechargé, vous êtes prêt à partir. Vous êtes prêt à partir maintenant. Et je peux vous voir, personne, rien ne peut vous bloquer maintenant, rien ne peut vous arrêter. Vous êtes en train de grimper la montagne, de gravir la montagne. Si vous êtes, vous ne serez jamais fatigué. Si vous êtes fatigué sur la voie, revenez recharger vous encore. Et vous allez réussir au nom de Jésus. Vous savez, j'aurais souhaité descendre et venir vous tenir la main pour te dire, lève-toi, c'est le temps. Voici le temps. Et je vais vous pousser vers le sommet de ce monde. Même si je ne peux pas venir physiquement, spirituellement, je viens. Je vous tiens pas la main spirituellement. Et je prie pour vous. Je prie pour vous. Et vous serez mon homme. Vous serez la fin de ma vie. Et vous serez mon héros. Et je dis, je prophétise dans la vie. Accomplis ces prophéties. Accomplis ces prophéties, ces aspirations. Et que la puissance de Dieu puisse les pousser, les propulser. Et vous allez atteindre le sommet. Pourquoi ne pas vous lever? Pourquoi ne pas vous lever? Pour dire, Seigneur, je l'ai eu. Seigneur, je l'ai possédé. Seigneur, je l'ai possédé. Seigneur, je l'ai possédé. Ne permettez à rien de détruire ce rêve. Ne permets à rien. Ouvre ta bouche et parle aussi dans la prière. Pour dire, oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur, je l'ai obtenu. Je suis renforcé. Je suis énergétisé. Et je sais que rien ne va m'arrêter. Je peux. Je veux. Et je dois. Je vais vous rencontrer au sommet. Je vais te rencontrer au sommet. Je vais te rencontrer au sommet. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Tu ne peux pas jouer. Tout ce que tu entends aujourd'hui. Parfois, chaque fois que le découragement vient, chaque fois que le découragement ou les destructions du rêve, résiste-les. Vous avez la grâce de Dieu, la grâce qui est la ressource de Dieu contre les ennemis cruels. Vous allez vaincre, vous allez vaincre, vous allez vaincre. Au nom de Jésus, nous avons prié. J'ai besoin d'une amène de rêveur. Gloire à Dieu. Je voudrais que vous imaginez Joseph. Imaginez comme Joseph était dans le fond. Dans le fond du puits. Quel genre d'amène. Imaginez que Joseph était dans la maison de Potiphar. Quel genre d'amène allait donner. Imaginez Joseph dans la prison. Quel genre d'amène allait-il donner. Imaginez que Joseph est hors maintenant de la prison. Hors de la maison de Potiphar. Hors maintenant. Il est hors maintenant de la prison. Joseph maintenant est devant le roi. Et Pharaon a plus l'a remis toute l'autorité. Ce type d'amène maintenant qui va sortir de Joseph, cet amène, quand il a pris le trône, quand il a pris possession de trône, gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Dieu, répète après moi, je ne suis plus dans la fosse, je ne suis plus dans l'abîme. Je ne suis plus dans la prison, plus jamais. Je suis sorti, je suis venu au palais. Je suis venu au palais. Je suis venu au temps de réalisateur. Le temps de l'accomplissement du rêve. Répétez, ça commence maintenant, répétez. Cela commence maintenant, cela commence maintenant. Cela commence maintenant même. Maintenant même, que tout le monde dise. Levez ses mains de victoire, ses mains de réalisation. Et nous parvenons au sommet maintenant, Père, dans le nom de Jésus. Je te remercie pour tout un chacun ici aujourd'hui. Nous avons entendu ta parole et nous tournons notre frustration en fascination au nom de Jésus.
tous nos contretemps. Nous les changeons en des pieds de tremplin. Et à partir des pieds d'achoppement, nous allons aller au succès au nom de Jésus. Seigneur, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, au sommet, au sommet, au sommet, au sommet, au plus haut point. Je déclare sur vous, filles et garçons, hommes et femmes, vous serez la tête et vous ne serez pas la queue. Vous serez le dirigeant et non les suiveurs. Vous serez un pourvoyeur et non un pauvre. L'abondance du ciel sera dans votre vie. Les ressources du ciel vont couler dans votre vie. Peu importe ce qu'il faut pour accomplir le rêve, le Dieu Tout-Puissant vous a donné ces choses. Vous aurez tout au nom de Jésus. Je commande, je vous ordonne, allez, sortez pour aller réussir. Sortez pour aller réussir. Sortez, allez pour réussir. Sortez pour aller vaincre la foule. Allez pour aller diriger les foules. Allez pour aller être sur le sommet. Allez et posséder tout ce que le Seigneur vous donne. Seigneur, je le vois, je le scelle, je le confirme. Que ton peuple, les jeunes et les vieux, rien ne va les rabaisser. Et je prie, Seigneur, que tu accomplisses le rêve de Joseph, cette vision pour Joseph, comme tu l'as fait pour Joseph, comme tu l'as fait pour Jephthé, comme tu l'as fait pour Jérémie, comme tu l'as fait pour, comme tu as donné la double portion pour Job, encore, encore, Seigneur, et il a fait, je prie que tu utilises tous ces jeunes, comme tu as utilisé ces VA, tous ces personnes, personne ne sera, la puissance est sur toi. Tu vas courir sans être fatigué, tu vas marcher sans te lasser. Tu ne vas pas jouer encore. L'échec est du passé aujourd'hui. Le succès, la prospérité, la victoire, la conquête jusqu'au sommet. Et c'est ainsi dans le nom puissant de Jésus. Nous te remercions Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dieu merci.